campagne de boycott contre le jeu basé sur Harry Potter, donc Hogwarts Legacy, car J.K. Rowling est jugé transforme le jeu actuellement numéro 1 des ventes sur toutes les plateformes. Et Gamekult, site de jeux vidéo, refuse de faire un test du jeu. Nous refusons de donner écho à une marque dont le poids économique et médiatique profite à une femme érigée de figure de proue d'un mouvement de haine. Une femme dont l'activisme vise au recul des droits des personnes trans déjà constamment déshumanisées. Prenons le temps de discuter de ces sujets. Hogwarts et Avalanche s'en remettront avec ou sans nous. Ce n'est pas un appel au boycott, simplement un rappel que non, ce n'est jamais que du jeu. Ouais. Donc à ce moment-là, il faut boycotter tous les produits Harry Potter. Il faut retirer de la circulation les Blu-ray, les DVD, tous les jeux vidéo basés sur Harry Potter. Il faut brûler les romans de J.K. Rowling, tout ce qu'elle a fait, non seulement Harry Potter, mais le reste aussi. Il faut tout brûler, en fait. Ça va pas un peu loin, là, non? Je sais pas. Alors moi, personnellement, Harry Potter, je m'en bats les steaks. J'aime pas du tout cette saga. Je trouve que c'est un peu gamin. J'ai dû en voir 2 ou 3 seulement sur les 7 que compose la saga. Et donc, il y a 8 films, je crois, parce que le dernier est en 2 parties, me semble-t-il, mais j'aime pas du tout cette saga. Donc, le jeu, je l'aurais pas acheté de toute façon. Donc, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que ça va un peu loin, non? Alors, certes, c'est pas bien, hein. J.K. Rowling, ce qu'elle fait, transphobique et tout, là. C'est un comportement dégueulasse. Mais est-ce qu'il faut pour autant, limite, appeler au boycott de tout ce qu'elle a, de tout son héritage, entre guillemets, de toutes les créations qui entourent son œuvre, Harry Potter? J'en suis pas sûr. De toute façon, vu les stats de vente, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent complètement de cet appel au boycott. Et vous voyez que les fans d'Harry Potter, ils ont pas attendu pour se l'offrir, ce jeu. Hein. Donc voilà, j'aimerais votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous, si vous êtes fan d'Harry Potter, par exemple, vous pourriez acheter ce jeu, ou est-ce que vous allez respecter l'appel au boycott de... Pas de Game Cult, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de comptes divers et variés qui appellent au boycott de ce jeu. Ah mais attendez, oui. Il est pas encore sorti, d'accord, le 10 février. Ok, d'accord. Donc ouais, ça, c'est des précommandes, en fait. Très bien. Bon, ben voilà. Écoutez, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Est-ce que vous allez respecter le paillot boycott ou pas? Ou est-ce que vous allez jouer à ce jeu contre vents et marées? Allez, bye.